Lire l'heure. Je sais lire les heures entières. Alors, on s'occupe de lire les heures entières, ça veut dire que quand il est 4 heures, ici, vous avez toujours la petite qui indique le 4. Et puisqu'il est 4 heures pile, la grande aiguille est toujours sur le 12. Donc, c'est facile. Lorsqu'on part d'heures entières, d'heures pile, eh bien, la grande aiguille est toujours sur le 12. Là aussi, regardez, il y a la grande et la petite qui sont sur le 12. Donc, il est 12 heures. On dit qu'il est, quand il est 12 heures, on dit qu'il est aussi midi. Et ici, il est 10 heures. Donc, pour 10 heures, ici, c'est la petite qui est sur le 10 et la grande sur le 12. On va voir si vous avez compris dans les exercices. Écris l'heure indiquée sur chaque horloge. Donc là, c'est pareil, ce sont des heures entières. Ce n'est pas et demi, et quart, 5, non, entières. Pile. Donc là, il est heure. Regardez, la petite aiguille est sur le 5. Et la grande sur le 12, donc il est 5 heures. Facile, là pareil. La petite est sur le 8, la grande sur le 12, donc il est heure. Là aussi, il est heure. La petite est sur le 11. À vous aussi de bien lire les heures en dessous. Il est heure. À vous d'écrire quelle heure il est. Pareil là aussi, et pareil en dessous. Ensuite, dans cet exercice en dessous, je dessine la petite aiguille. Vous savez déjà que c'est une heure entière, parce que ça s'arrête à 12. Mais, avec la petite aiguille, vous devez indiquer, montrer quelle heure il est. Donc, il est 6 heures ici. 6 heures. Donc, avec la petite, vous devez montrer petite aiguille, hein, donc pas aussi grande que celle qui va sur le 12. Hop, vous descendez jusqu'ici, ça suffit. Et vous faites la flèche vers le bas, vers le 6, parce qu'il est 6 heures. À vous de faire la même chose. Ici, il est 10 heures. De dessiner la petite aiguille seulement. Parce que la grande y est déjà. Ensuite, il est 2 heures. Pareil, à vous de dessiner la petite aiguille. Et là, 4 heures. Pareil, dessiner la petite aiguille pour le 4 heures.